J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Ousmane Gawal Diallo est une fois encore sorti pour confirmer la candidature du putschiste Mamadi Doumbouya. Ousmane Gawal, vous savez, il faut préparer les esprits que Mamadi sera candidat. Et dans la sortie de Ousmane Kaya, il fait croire aux gens que si Mamadi est candidat, les autres candidats n'auront pas la majorité. Donc c'est Mamadi qui peut avoir la majorité. On dit l'ingrat fait exprès. Ousmane Gawal, l'ingrat fait exprès. C'est vous qui avez dit que il y aura des élections libres, crédibles, inclusives, c'est-à-dire personne ne sera exclu. Vous connaissez le poids de l'UFDG, de Ella Seloudale. Vous connaissez le poids du RPG Arc-en-Ciel. Mais vous êtes en train de jouer avec vous-même. Et nanama, il n'y a pas de continuez. Personne ne va vous dire. Ousmane Gawal, personne ne va vous dire. Vous connaissez ce pays. Et la situation économique de la Guinée. Depuis la prise de pouvoir par les putschistes. Vous saviez déjà où nous en sommes, économiquement, notre pays. Donc, continuez à gueuler. Mais on attend lui-même. Mamadi lui-même. Nous attendons sa déclaration. Oui, je suis candidat. Ce n'est pas vous les escrocs là. Ce n'est pas vous les cocos là qui nous intéresse. Mais la déclaration de Mamadi lui-même. Vous les cocos, vous pouvez parler fatigué. On ne dit rien. Donc, les cocos, vous pouvez parler. Vous pouvez faire sortir l'argent du pays. Vous pouvez vider les comptes pour faire la démagogie. Mamadi Doumbouya, Atanambe, Asoriki, Amineriki. Mais comme je vous ai dit, ça ne marchera pas, ça ne passera pas devant ce peuple de Guinée. Ça ne marchera pas. Et tous ceux qui sont en train d'encourager cette dérive autoritaire du CNRD, il y a une liste déjà qui est établie. On n'a pas besoin de publier. Il y a une liste. Tous ces dérives, vous savez combien de personnes sont mortes déjà? Les personnes mortes. Donc, mettez en tête que un jour, vous allez tous répondre. Parce que la candidature de Mamadi, tous ces jeunes aujourd'hui qui s'affichent qu'au nom Mamadi ou rien, demain, le jour qu'il aura un procès, vous n'allez pas dire que non, nous, on n'avait rien à voir, on n'était pas des militaires. Vous êtes responsable de ces dérives. Si Mamadi est confiant, c'est vous. Les démagogues, c'est vous qui le motivez. C'est vous qui le donnez de l'espoir. Et pourtant, vous saviez que Mamadi n'a... Ok, vous savez, je vous ai dit, je ne vais pas insulter. Attendez, désolé, ne le répondez pas. Je vais le bannir et je vais supprimer. On va continuer. Mara Fala Obe, mou kombi ti feji sarayim. 31 décembre, tanga dangitou, mou kombi ti manatemne. Bojile, ta mara posa. Donc, vous qui êtes agité là, pour dire voilà, Mamadi, c'est rentré, c'est sorti. Vous allez répondre demain. Vous allez répondre tous demain. Parce que au Tambe, l'affaire là, ça va passer. Et Ousmane Gawal, vous avez parlé de l'instabilité. D'ailleurs, c'est quand Mamadi va forcer. Vous avez enlevé le président Alpha Condé. Vous avez dit que le président Alpha Condé a fait un troisième mandat. Vous avez fait le coup d'État. Vous avez tenu des discours
que les gens voulaient entendre. Que vous allez organiser des élections et foutre le camp. Après 3 ans, vous n'avez rien fait. Les 10 points que vous avez cités, vous n'avez rien accompli. Donc, c'est quand Mamadi va se maintenir partagé. C'est quand Mamadi va forcer la situation qui va déstabiliser le pays ou bien c'est quand les autres vont demander son départ. Asseyez-vous. Ne conseillez pas Mamadi à partir. C'est-à-dire, encouragez-le. Encouragez-le. Personne ne va vous dire. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a déjà tracé, parce que Mamadi Doumbouya, comme je vous l'ai dit, ça ne marchera pas. Il a dit que le président, son bienfaiteur, n'a pas une force spéciale créée, n'a pas à t'en nommer, à coup de tarabanana, la Guinée sort, mais il bébé fafara, n'a le 5 septembre, la Guinée sort, il bébé, et fané fara, n'a pas refait, n'a pas coup d'ankanana moutan fora. Comme vous ne pensez pas, vous ne réfléchissez pas, continuez, ne le conseillez pas à sortir par la grande porte. Wallahi, vous serez tous complices demain. On a tout. Déjà, je vous ai dit, les États-Unis, il y a beaucoup qui vont partir en prison. Et les gens pensent que leur affaire de drogue qu'ils sont en train de faire, que les gens ne les voient pas. Les États-Unis ne sont jamais pressés. Les États-Unis ne sont jamais pressés. Et t'as mon pressement. Amérique, continuité, Nara. L'administration, c'est la continuité. Dossier est à Moukanama. Falafé, Biden s'en va, c'est fini. Non! L'affaire de drogue, Nagan Birina Bafé la Guinée, Américain Birina Tofé. Drogue, Nagan Sofé la Guinée, c'est fait Europe, Américain n'a Birina Tofé. Ça dit, ils voient tout, mais ils ne sont pas pressés. Ils vont les prendre les mains dans les sacs. Américain et Rabat Manakil. Et t'as mon mérite, t'as mon mérite. Réus Rouma, est flagrant. Il n'a flagrant délit, il fait ça. C'est un RD. Ça dit, moi j'ai pitié de vous. Parce qu'aujourd'hui vous vous dites, vous êtes dans le bonheur. Pouvoir Naouira, vous faites ce que vous voulez. Vous savez, derrière la facilité, il y a toujours le malheur. Ça dit, où il n'y a pas de baraka. Si tu te dis que voilà, toi tu es fort, tu veux avoir tout facilement, il y a des conséquences. Je vous dis, tous les responsables, beaucoup de responsables du CNRD, des ministres, ils sont sur cette liste-là. Les Américains n'ont pas laissé l'ancien président de Bolivie. Ils n'ont pas laissé un général de la Guinée-Bissau. C'est-à-dire, ils ne sont même pas pressés, ils voient tout. Aujourd'hui, vous pensez que non, le pouvoir là, c'est éternel. Et c'est ce que j'ai dit à Mamadi Doumbouya. Il peut trouver une porte de sortie, mais tant qu'il écoute les escrocs, ceux qui disent l'ancien compte paix à son âme, a fait 24 ans que Mamadi peut le faire. Les temps ne sont pas les mêmes. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas de blogueurs. Au temps de feu général, l'ancien compte. Le monde aujourd'hui, c'était un gros village. Naganaba fait Kalumkui, Moutandorbe, on est informé à la minute. Tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, nous qui sommes ici, nous sommes informés que ceux qui sont là-bas. Je vous ai dit, le monde a changé. Dire que vous allez endormir les gens, que la transition de Mamadi, ça va passer, je vous ai dit, ça ne marchera pas. Amou Dangife, Amou Lamafeu. Si vous devez conseiller Mamadi, vous aimez Mamadi, c'est de lui dire de partir, d'organiser des élections, de prendre des garanties auprès des gagnants. C'est-à-dire ceux qui vont aller au deuxième tour ou ceux qui sont favoris, comme l'UFDG, ANAD et le RPG. De dire, ah, je peux forcer la situation, mais je ne veux pas que le pays vire dans le chaos. Donc, je préfère organiser, comme je l'ai dit le 5 septembre, et partir. Là, vous aidez Mamadi, vous lui dites la vérité. Même vous autres, là.
nos autorités pourront plaider pour vous. Mais dire que non, aujourd'hui, l'argent sort pour faire de la démagogie, c'est ce qui vous intéresse. Ce pays-là, je vous ai dit, nous appartient tous. Mamadi pense qu'il a les forces spéciales, 4000 éléments ou autre chose. Que non, c'est fini, il a la force. Non. En démocratie, ce n'est pas la force qui dirige. C'est la tête, le savoir-faire. C'est ce qui dirige. C'est le pouvoir du peuple. Si vous n'avez pas la confiance, c'est-à-dire du peuple, ne forcez même pas. Mamadi, ce n'est pas les armes, voilà, qui vont diriger ce pays. Donc le mieux pour vous, c'est de trouver des solutions. C'est de trouver des solutions. Cela y va dans votre propre intérêt. Cela y va dans votre propre intérêt. Mais dire que non, aujourd'hui, voilà, que c'est fini, on a déjà 4000 éléments de force spéciale. Mamadi, je le dis, le CNRD en général, les leaders politiques, eux, ils ont le peuple de Guinée, 13 millions de Guinéens. Vous avez les forces spéciales, 4000 personnes. Et vous êtes conscients que même l'armée guinéenne aujourd'hui, la différence est que les forces spéciales, ils ont les armes. Mais vous avez des groupements aujourd'hui qui sont à l'intérieur du pays, qui sont 10 000 fois formés que les forces spéciales. Vous avez Bata, vous avez Jefir, vous avez tous ces groupements d'intervention, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les armes, vous saviez. Mais je vous ai dit, sans forçant la situation, vous allez créer d'autres situations encore. Donc, n'allez hankrisoro, allez hankrisoro. Ça ne marchera pas pour vous. Ousmane Gawad, si vous voulez, prenez des micros, annoncez, comme ça a été dit depuis le 5 septembre, Mamadi ne sera pas candidat et il ne doit pas être candidat. Voilà. C'est pas dire que voilà, je veux être, non. Ce que veut le peuple, c'est ce qui va se passer. Vous voyez le pays, trois ans. L'année prochaine déjà, quatrième année. Et qu'est-ce que vous avez pu faire pour ce peuple? Depuis fin 2021, 2022, 2023, 2024, nous allons rentrer en 2025. Toutes ces années de gâchis pour le peuple de Guinée, à part ruine et désolation, le dépôt. Est-ce qu'il y a eu des enquêtes? Et voici l'argument des bandits, des vauriens, sur les plateaux. Oh, on sait, oui, c'est difficile. L'explosion du dépôt. Où est votre comité de crise? Quel rapport on nous a dit ici? Qu'est-ce qui a causé l'explosion? C'est-à-dire le dépôt. Est-ce qu'il y a eu un rapport pour dire, voilà ce qui a fait cela? Le carburant ne manque pas. Le carburant rentre. Le carburant va dans les stations. L'État fait des recettes. Mais comme je vous l'ai dit, il fallait cacher leurs carences, leurs incompétences. C'est eux-mêmes, je le dis. Je signe et je persiste là-dessus. Personne ne l'a fait. Parce que les Kalumka, ce jour, ils avaient vu quelque chose en l'air. Et quelques temps après, boum. Où est le rapport? Prenez les gens comme si les Guinéens n'ont rien à la tête. On vous a conseillé, fatigué. Vous dites que non, non, non. Vous ne voulez rien comprendre. Comme maman dit, mais je vous dis, il y a une surprise. Il y a une surprise. Il y a une grande surprise. Et vous serez surpris encore. Ah, cela, je vous dis ça. Allons-y seulement. Une grande surprise. Allons-y. Si tu empruntes le chemin de je m'en fous, tu vas aller te retrouver sur le chemin de si je savais. Si vous dites que on s'en fout, on n'écoute pas les autres, on s'en fout de l'UFDG, on s'en fout du RPG, on s'en fout du peuple de Guinée, nous on décide. Wallah, vous allez vous retrouver sur le chemin de si je savais. Ça n'a pas marché pour les autres, ça ne marchera pas pour vous. Le monde a changé.
cette jeunesse, elle n'est pas manipulable. Nous sommes au 21e siècle, le monde de la nouvelle technologie. Aujourd'hui, Damoro est assis ici. Ce qu'il dit, vous écoutez depuis là-bas. Donc, si vous pensez que vous allez manipuler la conscience, vous allez tout faire, je vous ai dit. Vous pouvez créer des systèmes là-bas pour réduire le début de connexion et faire autre chose. Mais regardez, quand j'ai fini la vidéo, allez-y regarder sur mes pages le nombre de Guinéens qui vient regarder. Et lorsqu'on finit, nos vidéos sont reproduites sur d'autres plateformes, sur YouTube, partout. Je vous ai dit, vous ne pourrez pas. C'est-à-dire, les experts que vous envoyez, c'est vous qui gaspillez de l'argent. Peut-être vous allez peut-être réduire la visibilité à un moment, mais non. Vous savez, moi, ce que j'aime, c'est quand les gens, même, une journée, ils ont soif de l'information, ils viennent sur nos pages. Qu'est-ce que Damoro a dit aujourd'hui? Ça, vous ne pouvez pas. Et tant que Damoro est là, nous allons parler et le peuple sera informé. Et Benito, tous les autres, c'est pareil. Vous ne pouvez pas changer la donne. C'est vous qui devez changer vos manières de faire. Nous n'allons pas changer. C'est quand vous allez changer que nous allons changer. Amara ou Falun Yene Malta maintenant. Anye Wamatu. Eh, Jamana Tete. Abe Baratien. Abe. Bala Samoura. Toi, tu penses que tu es le plus. Vous pensez que vous êtes les plus malins. Bala Samoura, attendez une minute. Bala Samoura, vous pensez que vos magouilles là, ça va continuer, Bala Samoura? Tanyoko Bella, on dit. Toujours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. Vous pensez que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, nos mines, vous avez la même mise là-dessus. Vous faites ce que vous voulez. Ben là, vous serez le gros perdant. Aujourd'hui, tu te dis que tu es général, tu commandes, tu es avec Mamadi, mais où les autres sont aujourd'hui, c'est là-bas que vous allez vous retrouver. Je vous ai dit, le bien se paye par le bien, le mal par le mal. Bala Samoura. Ibra Molutonyode. Ibra Benkalikede. Pourtant, il y a des bonnes écoles en Guinée. Mais ta femme, tes enfants sont en Europe. Bala Samoura. C'est vous qui allez être le gros perdant. Ta femme va trouver un autre mari. Elle va se marier. C'est vous qui allez perdre, Bala Samoura. Tes étages que tu es en train de construire. Bala, quand tu vas mourir, ces étages-là ne vont pas t'accompagner. Bala, les millions en dollars en liquide qu'il y a avec toi aujourd'hui dans ta maison. Bala, le jour que tu vas partir, tu ne vas pas partir avec ces millions-là. C'est tes bonnes actions. C'est tes bonnes actions qui vont t'accompagner. Et que toi, Nyuma Mikela, les gens parleront de ça. Et nous sommes déjà les témoins avant le jugement, avant le jour de la résurrection. C'est-à-dire ce que le peuple dira de toi, les anges vont tout noter. Aujourd'hui, vous avez été chez Selo, vous avez cassé sa maison, vous avez vidé, vous le privez de rentrer en Guinée. Quoi, parce que vous êtes fort, vous avez les armes. Je vous dis, le jour viendra, vous allez vous asseoir, vous allez regretter. Le chemin de « je m'en fous » que vous prenez aujourd'hui, que vous êtes fort. N'oubliez pas que les soldats, tous ces caporaux derrière vous, pourront demain vont être des commandants devant vous aussi. Ceux qui obéissent à vos ordres, un jour viendra, ils vont désobéir. Rien n'est éternel, go. Ça, je vous dis. Si vous avez oublié, que celui qui vous a fait, c'est le président Alpha Condé, celui qui vous avait humilié. Et donc, Amakorobo, Djamfa il a bana Djamfa Lima. Mbara ou Falinyane, ha?
Allez, Agnew Wamatou. Vous voyez, vous n'êtes pas heureux. Vous êtes les plus malheureux en Guinée aujourd'hui. Ce n'est pas avoir de, être dans de grosses voitures, mais vous êtes malheureux. Vous vous dites qu'à tout moment, on peut vous réveiller avec les bruits de fusil. C'est ce que vous avez en tête. À tout moment. Parce que vous n'êtes pas tranquille. Parce que ce que vous faites, vous-même, vous savez que c'est anormal. Lorsqu'on fait quelque chose de normal, on a la conscience tranquille. Lorsqu'on fait du bien, on le fait pour soi-même. On est à l'aise. Mais lorsqu'on fait du mal, on est malheureux. On a peur. C'est comme le voleur. Quand il va voler, il est inquiet. Vous êtes inquiet aujourd'hui. Et ça va vous emporter. Ça, je vous le garantis. Vous voyez, Ibrahim Traoré, à chaque fois, il y a des remous chez lui là-bas. Vous voyez le peuple descendre, les jeunes. L'homme, c'est la parole. Ce qui se passe chez nous en Guinée ne se passe pas au Burkina. Des kidnappings. Il y a un activiste qui avait critiqué l'armée du Burkina. Le capitaine Ibrahim Traoré, il n'a pas fait disparaître la personne. Comme vous, vous avez fait disparaître certains. Ils ont pris l'activiste, ils l'ont amené au front. Formation rapide, on l'a donné les armes. Et après quelques jours, on lui a demandé, c'est comment? Il a dit, oui, l'armée, c'est pas la blague. Voici comment eux, ils gèrent certaines crises. Mais chez vous, vous pensez que l'arrogance, le mal, aujourd'hui, vous avez mal. Un homme comme Sadiba, un homme qui n'avait pas de problème, un militaire qui n'était pas affairiste, un militaire qui n'avait pas envoyé ses enfants, malgré le chef d'état-major. Il n'a pas envoyé ses enfants à l'étranger. Ses enfants étaient en Guinée. Et tout le monde a vu, lorsqu'on a montré les images de chez lui, qu'est-ce que Sadiba avait chez lui. Chef d'état-major des forces armées. Qu'est-ce qu'il avait? Par rapport à un commandant de la gendarmerie comme Bala Samoura. Quelqu'un qui commandait toute l'armée. Mais je vous ai dit, allons-y. Vous êtes malheureux. Et ça dit, Adjouma Nato quoi. Naram Fafé Rambi. Ça dit, actuellement, c'est dans la tête. Vous êtes malheureux dans la tête actuellement. Vous n'êtes pas à l'aise. Mais il faut que ça s'arrête. Hein. On ne va pas continuer comme ça. Ça, je vous le dis. Personne ne viendra vous conseiller. C'est vous qui devez vous conseiller. C'est vous qui devez dire non. Il faut que ça, on arrête maintenant. De braquer. Les mêmes personnes qui vous applaudissent. Oh, Tanambe, oh, Tananoma. Demain, c'est les mêmes personnes qui viendront d'ici. Ko Altoro Djani. Que si on vous parlait, vous ne voulez pas écouter. Les mêmes personnes. Qu'est-ce que les Ousmane Gawal n'ont pas dit face au régime d'Alpha Condé ici? Qu'est-ce que Ousmane Gawal n'a pas dit ici? Mais est-ce que le régime du président Alpha Condé lui a fait du mal? Non. Qu'est-ce que Baouri n'a pas dit face au régime de Dadis? Qu'est-ce que Baouri n'a pas dit ici? Qu'est-ce que Baouri n'a pas dit à Dadis? Qu'est-ce que Baouri n'a pas dit face au régime d'Alpha Condé? Ce n'est pas les mêmes personnes aujourd'hui. Je vous ai dit, dans tout ça, le vainqueur de ce coup d'État, c'est le président Alpha Condé. Un, s'il restait au pouvoir, il mourrait. Il y a d'autres qui allaient toujours continuer à l'insulter, à le maudire chaque jour. Mais Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a la solution de tout. Vous avez cru que non, voilà, c'était fini. Il fallait enlever le nom du président Alpha Condé. Complètement. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que non, vous ne pouvez pas effacer le nom du président Alpha Condé comme ça. Qu'il fallait ce coup d'État de vous, les Vauriens, que pour que, ça dit pour que ceux qui disaient qu'il n'y avait pas de démocratie, il n'y avait pas de liberté, à commencer par les médias. Où sont les médias aujourd'hui? Je vous ai dit, le vainqueur, c'est le président Alpha Condé. Qu'est-ce que les journalistes n'ont pas dit ici, face au régime d'Alpha Condé? Oh, la liberté d'expression, Moussa Moïse. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici? Mais aujourd'hui, Dieu merci, c'est devant tout le monde. Le régime que vous avez enlevé, que le régime là n'était pas du tout bon.
Ceci là, non. Pendant 11 ans, ils ont fait 11 ans. Vous, vous n'avez même pas fait 3 ans, vous avez fermé les médias. Hein? Les activistes de FNDC qui venaient dans ces médias pour critiquer le régime d'Alpha Condé, vous, vous avez dissous le FNDC et fait kidnapper, faire disparaître les chefs Fonike Mangé et Bilo. Ça, ce sont des réalités. Vous avez parlé de la vie chère. Le sac de riz aujourd'hui, c'est près de 400 000. 11 ans du régime d'Alpha Condé, malgré Ebola, Covid, crise politique. Mais le sac de riz était entre 215 et 230 000 francs. Tous les Guinéens peuvent témoigner. Avant le coup d'État, vous avez réveillé les Guinéens sous la lumière. Zéro Curé avait déjà l'interconnexion. Tout le pays, on n'avait pas problème de courant. Comment distribuer le courant? C'était ça la priorité. Vous êtes venu, vous avez chassé le bateau. Vous avez créé des problèmes. Et maintenant, vous revenez à la case de départ. Tout ce que vous avez, tout ce qui est là aujourd'hui, les barrages, c'est qui? C'est encore le FAMA. Ça, ce sont des réalités. J'ai dit, vous n'avez rien changé. Vous êtes en train de tourner sur vous-même. La Guinée ne fait que reculer. On n'avance pas. Hein? Et vous ne voulez pas que les gens parlent. J'ai dit, le vainqueur, c'est le FAMA, c'est le président Alpha Condé. Oui. Parce que au moins, lui a son temps. Et la cellule d'Alain avait sa maison. Et la cellule d'Alain était en Guinée. Il est où aujourd'hui? Sidi Touré est où aujourd'hui? Fonike Mangé est où aujourd'hui? Où est la classe politique? Lorsque Ousmane Gawal, Ousmane Kaya, dit que l'opposition n'aura pas la majorité, quand on considère des gens comme Badra Koné, mon cousin à moi, Ansoumane Fofana, des gens comme les Ahmed de Paris, que ce sont eux qui représentent l'opposition guinéenne. Vous vous moquez des Guinéens. Vous vous moquez de l'intelligence des cadres guinéens. Allons-y. Wallah, Dieu n'est pas pressé. À la pressante, et le peuple de Guinée aussi ne sont pas pressés. Et comme il y a une date qui a été donnée, et c'est vous-même qui avez parlé de l'accord dynamique signé entre la CDAO et vous les putschistes. Et la fin de la transition, c'est pour le 31 décembre. Comme vous voulez la désobéissance, il n'y a pas de problème. Vous voulez que, à partir de là, les leaders, ils sont dans leur plein droit. Là, vous ne direz pas que oui, le 31 décembre n'est pas encore arrivé. Les leaders politiques qui sont de mauvaise foi, ils ne veulent pas la paix, la stabilité. Donc, c'est vous qui savez quoi faire d'ici le 31 décembre. C'est-à-dire, est-ce que des gens même réfléchissent au 21e siècle? Eh, Allah. Altimiri, Altislan, Alti. C'est-à-dire au 21e siècle. Transition, je suis d'accord, Mamadi Doumbouya, il vient, il fait transition. Mais pour un État normal, président de la République, est-ce que les membres du CNRD, là, eux-mêmes doivent devenir président pour ce pays-là? C'est les hommes qui rendent une nation forte. Il ne s'agit pas d'être grand, gros, bête. Ce n'est pas la taille. Ce n'est pas la force. L'intelligence, la sagesse. Donc, pardonnez. Pardonnez, on vous demande pardon. Hein? Réfléchissez. Voilà, nous aimons tous ce pays-là. Notre souhait demain, c'est de voir tous les Guinéens autour d'une table. C'est-à-dire que le Guinéen, même si tu n'es pas dans le gouvernement, que tu sois libre de critiquer, de dire, voici ce que je veux. C'est le souhait de tout un Guinéen aujourd'hui. Mais à l'allure là, où vous fermez les médias, vous menacez les gens, vous êtes contre tous ceux qui disent, non, on n'est pas d'accord. L'État, c'est nous tous. L'État, les biens de l'État appartiennent à tous les Guinéens. Le titre foncier de la Guinée n'appartient pas au père de quelqu'un ou à quelqu'un. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de vous servir. Au lieu de servir le peuple, vous êtes en train de vous servir. Vous construisez des châteaux aujourd'hui. Vous achetez des maisons à l'étranger. Au lieu de construire des logements sociaux pour le peuple, au lieu de construire des centres de santé, vous ne le faites pas. Mais allons-y. Vous allez rendre la monnaie. Tout ce que vous êtes en train de faire, vous allez rendre la monnaie. Donc, merci la famille.